Situation insécurité généralisée qui gagne dans le pays d'Haïti depuis un bon bout de temps gagne gros conséquences sur le fonctionnement système judiciaire haïtien qui déjà pas bien marché d'après président association nationale magistrat haïtien yo Jean Wilner Morin critiqué autorité concernée yo qui pas fait rien pour bay tribunal première instance en Port-au-Prince yon local pour li fonctionner sans problème magistrat yo obligé 3 jours dans yon semaine d'après juge Jean-Wilner Morin, qui était dans micro collaborateur nous, Peterson Luxama. Les gangs aujourd'hui ont occupé presque toute juridiction, soit le Saint-Marc, je dis à Guadeloupe, je dis à et plusieurs autres juridictions. C'est la juridiction criminogène, côté que ces gangs qui occupaient juridiction. Port-au-Prince, c'était la première juridiction côté bagaille était paralysée, et je dis à elle a trouvé une situation encore plus difficile. Bon, nous connaissons des efforts qui fait, il y a de nouveaux juges qui étaient nommés, il y a un espace que nous avons demandé, bon, nous, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas changer l'espace là, bon, mais que nous avons un espace provisoire et sous la LUA, mais malheureusement, un espace qui vient, que nous partageons avec le tribunal du travail. Nous obligeons de travailler lundi, mercredi et vendredi, parce que faut que le tribunal du travail là, lui-même, il travaille tôt. De Joto. Donc, son problème. Nous attendons que le ministre de la Justice, là, avec le gouvernement, et fait nos jeunes espaces, mais malheureusement, jusqu'à présent, et nous pas qu'un jeune espace, nous pas qu'un tribunal, et, gros effort qui fait, faut nous saluer, effort. Il y a eu quelques cabinets d'instruction sur la route de frère, mais, et on est dans le bureau qu'on a là. Mais vous savez ce qu'il y a aujourd'hui au niveau de la route de frères. Bon, parce que Bandio envahit la route de frères. Nous connaissons que nous-mêmes qui jugent d'instruction qui est bureau, c'est pas aisé, c'est pas évident que nous calons dans le bureau, non, pour nous travail. Vu que les pénitentiaires nationales pas voulaient mener Mounbano sur la route de frères. Et c'est normal. Parce que l'orgueil est en détenu, qui sont criminels notoires, qui sont kidnappeurs, qui sont violeurs, qui sont bandits de grand chemin, et vous demandez pénitentiaire nationale pour mener le barreau sur la route de frère, et nous contacter passé dernièrement dans une zone épernier, côté où tuer ensemble de policiers. Donc, il n'y a pas prend chance mener un détenu barreau en roi, alors que vous connaissez qu'après le mot. Donc, c'est vraiment grave. La situation sécuritaire, les guerriers vraiment ont gros toto bout incidence sur le fonctionnement de la justice, en dépit que nous pas gagnons local, nous pas gagnons moyens, mais volonté que nous gagnons, Livin fait face avec une grande barrière qui c'est l'insécurité. Donc c'est vraiment difficile de fonctionner, mais il y a tous les magistrats, ils ont une volonté pour le travail. Mais la volonté ne suffit pas. Ils permettent que le système ne recommence à fonctionner, parce que ils ont jugé au gouvernement, il est jugé au pouvoir selon fonctionnement justice. Justice là, c'est miroir. Tout gouvernement dans tout pays. Et ça fait le dire prédateur, le dire monde qui a violé droit monde. C'est fonctionnement justice là. Or, m'pas quoi gagner, m'pas quoi ministre justice là. Voulez que je traite le gouvernement mal.